un autre univers, celui du Tai Chi Chuan, avec maître Liu Yongling, 7e date de Kung Fu Wushu et de Tai Chi Chuan. Il est magnifique et on va vous le laisser découvrir. Vous connaissez tous le Tai Chi, cette gymnastique douce qui est en fait un art martial déguisé, si l'on peut dire. Maître Lou, il est également acteur et chorégraphe dans de nombreux films chinois. Alors, il a un style tout en délié, tout en fluidité, c'est le Tai Chi. Mais on peut distinguer les appuis puissants, les reprises d'initiative, les moments où contient le départ du geste. C'est bien fait. Vous voyez ces changements de rythme. Et voilà le coup. C'est ce qui est caché derrière le Tai Chi gymnique. Cette capacité à contrôler en permanence une énergie qui peut jaillir. D'autant plus que le corps est totalement relâché. C'est une balistique, en quelque sorte. Se laisse bercer par cette musique. Oui, c'est un très beau moment. Il a vraiment beaucoup de présence. C'est à la fois lent et en même temps c'est très habité. Puis il a ses quatre piliers qui donnent une touche géométrique à sa démonstration. Et puis techniquement c'est tout à fait remarquable. À chaque fois on sent l'énergie termine le mouvement, qui le fixe. Le Tai Chi. Oui, magnifique démonstration, très impressionnante, très réussi. Le Tai Chi. Sous ses aspects rituels et culturels, enrichis par des enchaînements efficaces en situation réelle, le côté traditionnel et la scène. C'est l'intérêt aussi hein, de ce festival, vraiment de passer d'un univers à un autre. Et son équipe, voir toute la richesse des arts martiaux et des personnages en fait, de voir aussi de deviner des parcours.